On a donc interviewé le successeur de Rwagasore, le premier ministre Muhirwa, et lui, il dit, bon, c'est un assassinat qui est un assassinat qui est fait par des mobiles politiques, et il y avait la responsabilité centrale de la tutelle. Mais on n'a rien fait avec ça. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies, bien que l'Assemblée avait accepté une résolution dans laquelle on avait dit qu'il faut châtier les responsables de cet assassinat, l'a rien fait avec cette enquête très sommaire, et on n'a pas demandé une deuxième enquête. L'enquête de la tutelle était une enquête rien que à charge de l'assassin et des politiciens burundais qui étaient des adversaires de Rwagasore. Ils ont été arrêtés extrêmement vite. Ils ont opéré pour cet assassinat d'une façon extrêmement amateuristique, et on ne peut que expliquer cela par le fait qu'ils se sentaient invulnérables, qu'ils se sentaient protégés par l'administrateur colonial. Les gens qui étaient impliqués dedans, comme Jean-Ti Denderesa ou Jean Takika, c'était des gens extrêmement intelligents, hein, c'était pas des bons pour rien. Donc très vite, on était forcés pour les arrêter. Tous les faits étaient là. Il y avait des témoins presque qui ont vu ce qui s'était passé. Et donc, on a commencé une enquête. Mais c'est une enquête complètement à charge d'eux et pas à décharge. Et donc, le rôle de la tutelle a été complètement mis à l'écart. Et donc, nous autres, on a interviewé Bourguignon, Jacques Bourguignon, qui était le procureur des lois à l'époque. Et c'est Jacques Bourguignon qui a aussi fonctionné comme juge d'instruction. On lui a demandé, le rôle de la tutelle. Quel était le rôle de la tutelle? Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a donc enquêté sur l'assassinat. Il a dit: je n'ai jamais pensé à cela, parce qu'on était une administration qui n'était pas très nombreuse et on se faisait confiance. À l'époque, je n'aurais jamais osé me permettre d'aller dire au résident général « Je voudrais bien interroger une telle parce qu'il paraîtrait qu'on ne pensait pas à cela. » On ne pensait pas à ces choses-là. Écoutez, moi, j'ai un excellent souvenir de ma vie en Afrique. On travaillait beaucoup, mais c'était une vie très agréable. On formait une petite communauté où on prenait beaucoup de plaisir à se rencontrer, à discuter. Cette ambiance rendait la vie terriblement agréable. On n'avait pas de famille avec soi, alors on s'entraidait. On jouait au tennis, on jouait au golf, on gagnait bien sa vie, on était logés. Les boys ne coûtaient pas très cher. J'ai la nostalgie de ce temps. Bon. C'est ça la situation. Qu'on ne vient pas nous embêter avec un assassinat. Et donc, une fois qu'on a pu mettre nos mains sur le dossier répressif et qu'on a étudié ce dossier répressif, les indications d'un rôle, d'une main forte de la Belgique dans cet assassinat, ils sont légaux, ils sont là, mais jamais on a examiné ça. Et donc, ça nous a mis sur une enquête qui nous a amené vers une troisième enquête. C'était une enquête parallèle sur laquelle que je peux parler dans deux minutes. Mais d'abord, il faut dire que après l'indépendance, le Burundi a repris le dossier. Entre-temps, l'assassin a été assassiné. Les complices ont été emprisonnés. Et le Burundi a jamais voulu étudier le rôle de la Belgique dans cette affaire. Toutes les indications sur le rôle de la Belgique, on les a refusées dans le procès parce qu'on ne voulait pas avoir des conditions atténuantes pour pouvoir juger les complices de l'assassin. On voulait absolument
condamné à mort et exécuté donc les cinq opposants les plus importants qui étaient impliqués dans, dans le complot. Et c'est ce qu'on a effectivement fait. Mais entre-temps, avant l'indépendance, il y a une enquête parallèle qui a été, qui est restée secrète jusque récemment. Et c'est une enquête qui est venue là, notamment sur l'impulsion du roi Baudouin. Tout le mouvement démocrate chrétien en Belgique voulait que leur confrère burundais, qui était impliqué dans cet assassinat, se laisse sauver. Et quand on voit les documents, on voit que pendant des semaines et des semaines, le roi Baudouin a assailli le gouvernement belge avec la demande de, un, sauver l'assassin qui a été condamné à mort par la justice de la tutelle, et deux, d'exfiltrer vers la Belgique les complices de l'assassin. Et justement, pour arriver à ce but, le procureur du roi, Raymond Charles, le procureur du roi de Bruxelles, a fait une enquête secrète, mais parallèle, justement, pour élucider le rôle de la Belgique dans cette affaire. Et donc, il a fait, dans quelques jours, une enquête très énergique, dans laquelle il a donc dévoilé qu'effectivement, il y avait eu une réunion fatidique trois jours après l'indépendance, où le résident a donc préconisé la liquidation de Rwaga Sore, avec tous les détails, quoi faire avec, avec le corps, comment le faire, qui engager, etc. etc. Et cette enquête a été donc mise dans la main du ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, avec la demande donc, et avec la conclusion, écoutez, nous autres, on est impliqués dans cet assassinat, donc on ne peut pas exécuter l'assassin, et il faut faire quelque chose pour que les cinq complices de l'assassin soient sauvés, pas transférés au Burundi indépendant, parce que le Burundi indépendant va certainement les liquider. Et donc, à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères, Spaak, a dit non, je ne vais pas faire ça. Il a fait un calcul. On peut dire que c'est cynique, on peut dire que c'est réaliste. Il a dit, si je sauve l'assassin et ses complices, c'est 6 vies que je vais sauver. Mais si je fais ça, j'aurai une rébellion à l'intérieur du Burundi et peut-être qu'il y a des dizaines de vies innocentes des Européens qui vont être sacrifiés, et donc je ne vais pas faire ça. Et donc ce qu'il a fait, c'est effectivement, il a ordonné quelques heures avant l'indépendance l'exécution de l'assassin, et on a transféré donc ses complices au Burundi indépendant. La grande question est que pourquoi le roi Baudouin était tellement motivé pour sauver ces 6 personnes. Et il y a pas mal de fois, on essaie de portraiter le roi Baudouin comme être motivé par des mobiles humanitaires. Eh bien, je crois que dans ce cas-là, c'est une erreur, c'est un anachronisme. Il y a les dernières années de la vie du roi Baudouin, on a forgé une image du roi, d'un homme très humanitaire, très soucié pour les faibles. On connaît sa position en ce qui concerne la loi sur l'avortement. On connaît son souci pour les femmes qui sont victimes de la traite des femmes et qui sont donc mises dans une situation de semi-esclavagiste, dans la prostitution. Il les a visitées à Anvers. Mais je crois que le roi Baudouin des années 90, ce n'est pas le roi Baudouin des années 60. Dans les années 60, le roi Baudouin était encore sous l'emprise de son père, le roi Léopold III, et de son entourage, qui est extrêmement conservateur et qui avait le même vue comme le colonisateur, c'est-à-dire une vision noir-blanc, une vision qui était très ultramontaine,
dans la tête du roi Baudouin. C'était un roi qui voulait, avec le crucifix dans une main et avec le fusil dans l'autre main, fonder le roi du Christ sur terre. Et dans ce cadre-là, des gens qui n'étaient pas 100% dans la ligne de l'Occident, c'est-à-dire Lumumba, Rwagasore, Nyerere, c'était les mauvais. Et ce sont eux qu'on devait écarter définitivement. Et c'est ça qui a motivé essentiellement le roi Baudouin pour pousser vers cette enquête parallèle, une enquête qui a donc aidé fortement à élucider le rôle de la Belgique dans cet assassinat. Le gouvernement belge décide qu'au Burundi, on peut organiser des élections avec la participation de Rwagasore. Et il faut ici savoir que c'est grâce à Patrice Lumumba, en quelque sorte, que Rwagasore a pu avoir son ascension politique. Parce que le 17 janvier 61, Lumumba est assassiné au Katanga. Après que le gouvernement belge a ordonné son transfert vers ses ennemis de mort au Katanga. Et trois jours après, le 20 janvier, il y a un conseil de cabinet à Bruxelles. Et là, il y a un clash entre les durs, les faucons, et les moins durs. C'est-à-dire entre Dapremont Linden, ministre des Affaires africaines, et les ministres des Affaires étrangères. Et le gouvernement dit qu'il ne sera pas possible aussi bien de encaisser la pression des Nations Unies et du tiers-monde de l'annonce de la mort de Lumumba, dont on sait très bien que la Belgique est derrière, et ne pas obéir aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies d'organiser des élections libres, c'est-à-dire des élections où Rwagasore va participer. Et alors on décide quand même d'organiser des élections où Rwagasore peut participer, en espérant que l'armature coloniale sur place, l'administration, va faire le nécessaire pour que Rwagasore ne va pas gagner. Et donc, quand on voit les documents, jusqu'à la fin, jusqu'à quelques jours avant les élections, le colonisateur pense que, oui, Rwagasore va gagner beaucoup de voix, peut-être 30%, peut-être 40%, mais il sera obligé de former un gouvernement, disons, de coalition ou d'union nationale. Là, ils se sont complètement trompés. Hein, donc, Rwagasore a gagné les élections avec une victoire écrasante de 80% des voix. Parce qu'ils espéraient que ça allait être au communal, où le gouvernement avait perdu, et que Rwagasore avait été neutralisé par d'autres mécanismes, notamment la mise en résidence surveillée. En fait, Rwagasore meurt, on décide de le tuer, parce que peut-être il ressemble un peu trop à Lumumba. Et dans les échanges qu'il y a dans le livre, qui sont extrêmement riches, c'est comme si on disait, il y a un autre Lumumba qui arrive, on ne peut pas accepter cela. Est-ce que vraiment Rwagasore et Lumumba se ressemblent tant que ça, politiquement, idéologiquement, mais aussi en termes de contexte en fait, dans le pays? Le contexte du Congo, c'est du Burundi, à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient vraiment pareils? Oui, c'est ça qu'on a dit régulièrement. Rwagasore était le Lumumba burundais, ou même le petit Lumumba. Eh bien, le point commun est que Rwagasore, comme Lumumba, comme Nyerere, comme Nkrumah, comme Nasser, c'était des dirigeants qui ont effectivement pu unifier le peuple pour prendre en assaut l'empire colonial et pour diriger le pays dans une unité remarquable vers l'indépendance. Dans ce sens, il y a donc des points communs. Mais il y avait quand même de très grandes différences entre les deux. L'arène politique où Lumumba et Rwagasore ont fonctionné est complètement différente. Au Congo,
les contradictions socio-économiques étaient beaucoup plus grandes. Il y avait les grosses sociétés qui exploitaient les richesses du Congo. Il y avait des centaines de milliers de salariés au Congo. Et surtout, il y avait une population qui, dans différentes régions du pays, était vraiment soulevée, était en rébellion constante. Hein, dans la province de l'Est, dans la région du Bas-Congo, on avait vraiment une population qui était en rébellion, qui était en train de liquéfier l'armature coloniale. Et dans ce cadre-là, c'est pour la diplomatie belge très difficile de devoir reconnaître qu'elle-même a des crimes d'État sur sa conscience. Et ça l'affaiblit profondément. Et c'est ça qui explique pourquoi que, depuis 1974, à partir des mémoires d'un officier supérieur belge, où il explique clairement que le gouvernement belge voulait assassiner Lumumba, ça a pris 24 ans, c'est-à-dire la publication de mon livre sur l'assassinat de Lumumba, pour que le dossier surgisse. Les académiciens n'ont jamais touché à ce dossier. Et c'est la même chose pour Rwagasore. En 87, donc il y a presque maintenant 35 ans, le résident général Harwa, dans ses mémoires sur le Burundi, il se pose la question et il dit « Est-ce vrai que des fonctionnaires coloniaux ont dit, ont suggéré aux opposants de Rwagasore qu'ils seraient très contents que Rwagasore serait liquidé et dans ce cas qu'ils seraient protégés par les structures coloniales ?» Et sa réponse est « Le nier me paraît déraisonnable ou déraisonnable. Donc ça on savait depuis 35 ans. Et tous les grands académiciens africanistes, Jean Steinitz, Pierre Salmon, ils n'ont jamais touché ce dossier, bien qu'ils ont écrit des critiques sur ce livre, bien qu'ils ont travaillé sur le Burundi. Un autre exemple, Vincent Dujardin, aujourd'hui un des grands professeurs d'histoire à l'UCL, il était le promoteur d'une thèse sur la décolonisation du Burundi. Eh bien, dans cette thèse, on défend d'une façon presque caricaturale le fait que la Belgique n'a rien à voir avec l'assassinat de Rwagasore. Aucune preuve, aucun élément, aucun document. Philippe Rentjes de l'université d'Anvers, c'est la même chose. En 2000, on a eu donc l'accord d'Arusha qu'on était en train de négocier avec les différents chefs d'État africains sous la présidence de Nelson Mandela. Et dans un avant-projet de cet accord d'Arusha, on dit clairement que le colonisateur a donc organisé l'assassinat de Rwagasore pour provoquer des violences dans le pays. Et directement, il y a eu donc des protestations du gouvernement belge. On a retiré ces phrases du texte final, mais le professeur Philippe Rentjes, il est venu à l'aide du gouvernement belge. Il a dit oui, la Belgique n'a rien à voir avec cet assassinat. Et donc, ça, c'est le deuxième élément. Il faut constater que les académiciens ont jusqu'aujourd'hui joué un peu comme l'idéologue de l'establishment belge dans ces dossiers-là, dans ces crimes d'État qui peuvent nuire très fortement les actions, le marge de manœuvre de la diplomatie sur la scène internationale.